sempuit sihreel en me slovaven toke aura zorja savani nači de las iditia buin alma Sithandarth o'r ddeudyn ffyn O ddim awlan i'w o'r ddau eitryn A hath y ddynmwch dwfnt mawr Efai gyda'r ffyddan يكون في حصة جديدة من حصة بصراحة يمعنا النجم الذي سطع على الكرة الجزائرية والذي شرف الجزائر داخل وخارج الوطن في الفريق الوطني وحتى في الفريق التعاون وهو موسى صعيب. مرحبا موسى صعيب، مساء الخير، شكرا جزيلا لاستضافتنا أنا عندك في تيزيز. مساء الخير مومن، c'est un plaisir de vous accueillir chez moi quoi. Merci beaucoup صعيب، vraiment حبينا دابور نبداو كما يقولوا موسى صعيب صافي لونتون كون تو فوا بلو سور لا سين سبورتيف الجيريان تو كيتي لي تيران صح سي فري لي تيران صافي عندها بزاف ملي جي كيتي لي تيران دونك او ديبي كنت باغي جي في جي امبراس ان كارير دونترينور جي كومونس افيك لا جي اس كا جي في ان بو التور جي في مي ديبلوم ابخي جي سانسيرمون كيشت الحاله شويه Elle ne correspond pas avec mes principes ou là, elle ne correspond pas avec ce que je voulais. Donc j'ai tout abandonné, même les diplômes, je suis mon gars. Maintenant, le seul format, objectif d'y aller, c'est de m'occuper de mes enfants. Quoi. Ou l'aile d'y aller, voilà. Oui, justement, voilà qu'en parallèle, tu fais un peu le métier de consultant. Exact, toujours ouais. Sur le terrain, on va dire. Tu suis bien à l'actualité. Indirectement, oui. C'est vrai, on est toujours. À jour sur l'actualité, même si on n'est pas sur le terrain, on est à la télé, consultant, avec des chaînes différentes. Quoi. Moussa, vous avez déclaré que tant qu'il n'y a pas un dirigeant qui présente un projet sportif sérieux, consistant, et un dirigeant pour qui je puisse faire confiance, il projet Non, là, on attaque une réponse par une question. Est-ce que nous, Fidzial Hanaya, on est des clubs professionnels? Est-ce qu'on est mouhtarifine? On n'est pas. Hein? Moi, j'ai côtoyé le professionnalisme depuis 1992. Donc, au Fidzial, donc le professionnalisme, je crois, en 2000. Donc, ça fait 6 ans. 2010, à peu près. 2010, voilà. Ah, pardon, le truc 2000. 2010. Donc, on est, j'ai embrassé en 92 ma carrière professionnelle. J'ai Arft qui fait, ça fait j'avais une avance de plus de 18 ans. Elle a qui tu vois que l'aqliya, qui m'a chéché ma mana, qui m'a chéché moi, maintenant c'est bénis. C'est pour ça que les canaillas, tant qu'il n'y a pas de projet. Non. Il faut travailler en osmose, il faut avoir un travail d'équipe. Là, on travaille maintenant, on ne peut pas. C'est-à-dire quand on travaille, il faut qu'on ait le même état d'esprit. Là, on travaille comme ça. On a juste l'aqliya d'yali. Ou l'aqliya des gens qui travaillent, mais ils ne sont pas. Mais l'aqliya d'yali, ils ne sont pas. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré un jibed rouhi de loin. Et il y en a la galbe. Malheureusement, mon objectif, c'est que, alhamdoulilah, j'ai eu une carrière professionnelle qui a duré plus de 10 ans. Donc, à la goutte, j'ai côtoyé 3 championnats différents, le français, anglais et espagnol. J'ai côtoyé pas mal de plus grands entraîneurs au monde, des grands joueurs au monde. Je dis, ben, avec ma petite expérience, je peux la donner aux enfants de mon pays. Ouais. Et malheureusement, donc, ils veulent autre chose. Donc, oui, bah, Rabbi Hanni, la carrière d'entraîneur, les dit-on à Chabib Al-Qadai, d'abord comme adjoint. Ensuite, comme entraîneur en chef. Exact. Terminé champion. Et c'est le seul titre jusqu'à maintenant de la GSK depuis 2008. Exactement. Donc. Oh, ça demande. Mais elle a été tombée de l'hala, je veux dire. Ça fait 8 ans. Oui, exactement. Est-ce que donc, un club comme la GSK, quand même, c'est
C'est l'ogre, c'est l'ogre géant c'est, qui exactement. N'arrive pas à avoir. À décoller, à décoller. Et malheureusement, je ne sais pas, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai discuté, on a fait des analyses, on a parlé. Ce n'est pas parce qu'on critique, on dit ce qui est vrai, c'est qu'on n'aime pas le club. Au contraire, moi, le club, je l'ai dans le cœur. Il y a des dirigeants qui parlent de leur club, il y a une crise dans le club. Ce n'est pas parce que je parle de la crise, c'est que le club est à Mouchemleh. Donc, quand on parle, c'est pour sensibiliser les gens. Et à Nas, ce que vous faites, ce n'est pas comme ça. Mm-hmm. Donc, après, la décision finale, elle revient. Hanaya, on fait un constat d'un fait qui existe. Après, la décision, elle revient aux gens, donc aux gens qui sont à l'intérieur du club. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un faux, qu'il y a l'idée d'y aller, mais je me l'ai. Après, moi, je dis ce que je pense. Après, c'est à toi, la décision finale, elle te revient à toi de changer ou pas changer. D'accord. Donc Moussa, la JSK, en début d'année, se met en début de saison, on va dire. Désolé, ce n'est pas le recrutement qu'il faut à la JSK. En début de saison. Exact. Vous avez déclaré. Là, le coach Bijota et même Mouachérif Hennachi vous donnent indirectement raison. Il dit, finalement, on s'est trompé, oui. Oui. Ouais, malheureusement, les erreurs, elles reviennent toujours. C'est vrai, l'équipe... non, j'ai dit, le recrutement qui a été fait, il n'est pas à la hauteur aux ambitions du club. C'est-à-dire, pour jouer les premiers rôles, il faut ramener des joueurs confirmés. Moi, je balaknas, ma fahmatch, wach habit nqoul. Une fois, c'est vrai, j'ai critiqué, mais c'est pas que j'ai critiqué. Par exemple, le cas de Boumchara, il a 32 ans. Exactement. Donc, c'est pas que les qualités du joueur, Kikan Srer, c'est un très très bon joueur. Mais maintenant, ce n'est pas un joueur qui va te ramener un plus. Ça, je l'ai dit, je le redis. Donc, le temps m'a donné raison. Justement. Oh là là là. Justement. Donc, Balkina, c'est son... Il m'a même critiqué, je crois. Il vous a donné rendez-vous, finalement, au mois de janvier. Moi, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai rien contre le garçon Adel. C'est un joueur qui est pétri de qualité. Mais quand il était jeune, qui était au Harrach, la première année au Harrach, c'était exceptionnel. Après, il a baissé de rythme, baissé de régime. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je crois que ma contrat, j'ai rien contre lui. C'est un constat des lieux que j'ai fait. Je lui souhaite que le bonheur, mais maintenant, c'est le... Eh ben, j'espère qu'il va relancer sa carrière. Maintenant, par rapport, au lieu de ramener un jeune, un joueur de 32 ans, il a un an, deux ans maximum en classe. Investis dans un jeune, au moins tu vas gagner plus de temps avec lui. Pour le même rendement. Hein. Ouais. Mais après, je donne rendez-vous au terrain, bah c'est tant mieux, mais d'habitude, on ne demande que ça. Mais finalement, donc le temps a donné raison à qui? Oui, à vous, bien sûr. j'ai rien contre toi. J'ai dit par rapport aux objectifs du club. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs aussi. Donc après. Et voilà, donc vous suivez toujours la tête. Moi, on m'a posé la question. Oui. Par rapport à un truc, je donne mon avis. Après, quelqu'un il peut donner un avis. Le recrutement était bon. Il est bon, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est les résultats qui ramènent. Exactement. Qui mettent Tchouf Dorka, par exemple, Dorka, on peut dire qu'il y a de bons joueurs à la JSK. Quand même. Oh là là là. Exactement, il y a Malo, il y a. Malo aussi. Les barques, il y a Dalidjabou Afliva. Et voilà, le jeune arrière gauche qui est international espoir. C'est des Doha qui est international A. Exact. Ziti qui est international A. Exact. Donc, quand tu vois une équipe qui met Hadia et elle n'arrive pas à décoller, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas là. Même Bijota, il a presque le même. Le même discours qu'il m'a dit à Moussa, il a remarqué certaines défaillances à l'Ekana, certaines remarques sur le plan organisationnel, mais là, il arrive quand même à redresser la barre. Parce que c'est vrai que la JSK, maintenant, elle est plutôt proche de sauver sa saison que de jouer le podium. Exactement. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le départ des supporters au stade 1er novembre a une influence sur les résultats de l'équipe ou l'Alex? Non, les supporters, il ne faut pas les en vouloir, ils viennent avec les résultats. Il y avait des matchs où le stade était plein, exactement. Ces derniers temps. Exactement. Sauf le dernier contre Tadjinat, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais avant, le match d'avant contre Serbie, il y avait du monde. Ils les ont encouragés, j'ai vu à la télé. Vraiment, j'étais étonné que le public, ça m'a fait rappeler un petit peu, trop l'équipe, elle jouait le premier rôle. Mais après, le public, si tu as les résultats, si tu n'as pas les résultats, c'est normal.
Donc pour venir, باش نمرض روحي, c'est pas, je préfère rester chez moi. Maintenant, est-ce que tu crois en cette équipe pour terminer peut-être le podium? Parce qu'ils sont qu'à 5 points. 6 points. 6 points, voilà. 6 points du podium, mais ils ont un déplacement périlleux. À Saoura. Bien sûr, des matchs difficiles. Exactement. Donc, il y a un match qui est plus haut. Donc déjà, la GSK est plus prête du dernier relégable. Déjà, Blida l'a gagné, ils sont ex aequo. Et après... si tu perds, voilà, tu fais un mauvais résultat, tu passes à côté après, tu deviens relégable. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut plus penser. Moi, ce que j'ai dit, on oublie les querelles, là maintenant, soit de faire sauver le club convenablement, de faire préparer pour la saison prochaine, de faire un recrutement digne d'un club, ou sinon c'est pour bricoler, donc ça ne sert à rien de. Moussa, on va revenir à vos débuts. Moussa Saïd de Tenit El Hadj, oui. Natif de Tenit El Hadj. Je suis né là-bas, oui. Dans la wilaya de. À l'époque, était de la wilaya de Tiaret. Ouais. Bakara, avec le découpage Bakara, la wilaya de Tessim Sylt. D'accord. Moussa, il y avait l'étincelle, mais le football. Tu étais un brillant étudiant, élève. Exactement. Il y avait le haqq le bac, mais je jouais le bac, ou tu étais le forçat, mais je trouve, il y a un GSM Tiaret. Parce que GSM Tiaret, terminé en senior, accéder à ce grand club, c'était pas donné. Comment vous avez pu convaincre vos parents de faire le premier l'histoire qui va se passer. Donc, moi, je jouais à Tenit El Hadj, on était en division 4 ou 5, on était en Gal Tahtaga. Il y avait un arbitre de Tiaret, il s'appelle M. Kleré. Je ne sais pas s'il est en vie ou je ne sais pas. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Monsieur le Moualef, voilà, là, d'ailleurs. C'est lui qui a conseillé de la ville de Tiaret. C'est lui qui a conseillé aux dirigeants de Tiaret de leur a dit un petit joueur, faut le suivre. Et à la fin d'année, l'époque a dit que GSM Tiaret était la première division. Après, il y avait cherché des joueurs. Je me rappelle quand on dit c'est le bac blondé à l'époque, mais je cherchais si ça existe maintenant le bac blond ou le mazel. Quand on dit où se fait, il y avait Banus qui venait devant l'école, m'attendait. Il fallait voilà. L'intérêt que la GSM Tiaret elle veut ton rôle avec. Mohamed, c'était l'entraîneur adjoint. Ah ouais, ça, c'est vrai. Exactement. Quel modèle Moussa Al-Moudarif chez Chabib Tiaret. Donc, je suis rentré dans la voiture, on discutait. Après, on a réglé la guerre, on s'est dit que c'est bon. J'ai tout oublié. Après, j'ai essayé de convaincre ma famille et tout. J'étais faire un essai à Tiaret et c'était concluant. Donc après, j'ai signé mon contrat pour ma licence avec eux. On est en junior. Quand Mazel est junior, là, bon senior. Moussa, Tiaret avec l'or, c'était du lourd. Les Maïdi, Maïti Ria en défense, Bel Hassan, Chipalo. Et un petit gamin qui arrive, qui sort avec d'ailleurs. Jay Israël, 17 ans. Je sais pas, en 87, 18 ans. J'arrive à 18 ans, je joue titulaire indiscutable et l'équipe avec... En plus, c'est comme ça qu'un Otema, qu'un Maïdé, c'est le chouchou du public. Maïdé, c'était... Après, tu viens, tu prends la place de Maïdé à ton jeune âge. Après j'étais adulé avec le club Adaya. Donc, c'est comme si, avec Hada ou Lidna, on le protège. Ouais. J'étais le plus jeune. Qu'un Naïti Haya de la GSK, qu'un Boussa, le gardien, qu'un Abou Farik, déjà. Qu'un Chepalo, Alit, il est avec nous. Iratni Hussein. كان مفتاح هذوكا تاع الشرفاوي هذوكا سيزون لي زيسبور تاع جي اس كي راحوا لتيار تما ونا في ان تري تري يا في كسميتو بن فرحات الطاهر هو كان اونترينور ديالنا بن فرحات ونا في ان سوبر بيل ايكيب ونا سي كلاسي 3ام دو شامبيونا بور لا بروميير اني سيتي با مال بور ان كلوب كي فيني داكسيدي اي لي شوز سو سونت اكسيليري موسى فيت في كامل الموي يجي سي فري Deuxième année, je me rappelle en 88. Hein, voilà. Au début, j'étais sélectionné avec Nordin Saadi. Des jeux universitaires, je ne sais pas moi, quelle équipe nationale A, il a battu la Coupe d'Afrique le Maroc en 88. Exactement. Et pour remplacer l'équipe A, ils ont convoqué une équipe universitaire avec quelques autres joueurs
moi je faisais partie avec Nourdine Saadi pour représenter l'Algérie fait ordonne خلينا نرجع الامور للمنصب Nourdine Saadi هو اللي كان وراء التحاقك بالمنتخب الوطني ايه المنتخب donc Nourdine Saadi c'est lui qui a été derrière votre éclosion sur le plan international c'est, c'est lui qui m'a découvert la première sélection d'Ali après je sais pas est-ce que كانت التسميه ديالها اسكو سي ليكيب يونيفرسيتير ولا ليكيب ا ولا زعما كيما دوكا ابري انا على ليبوك سي ليكيب يونيفرسيتير باسكو لي كانوا معانا كانوا كاع سي دي يونيفرسيتير حنا ولا تي دي فون يونيفرسيتير كانت انايا الحاج عدلان كان بس كانوا الاخرين كان معنا حمراني كان وحده تاع برج مان نسيتو كيسمو نيميرو 6 تاع برج مان يا ربي نافع هذوك سي دي يونيفرسيتير حنا ما جامي ما رحناش لونيفرسيتي حنايا دونك اون ريبريزونتي الجيري Mais ma vraie, vraie sélection, la première, ouais. en équipe A, c'était avec Kamel Lemoui en 88 années, ouais, décembre, à Annaba, éliminatoire Coupe du Monde. Ouais. On a gagné 3-0. Et je me rappelle, j'étais titulaire match à Daya, ou même, je crois, c'est Kamel Lemoui qui me l'a raconté après, parce que moi, je considère. Sahafa, ouais. je crois que tu as qui fait que tu as un jeune. Pour une première expérience d'une Coupe du Monde, devant 60, on a joué devant 70 000 spectateurs. Alors moi, je le fais jouer. À la fin du match, on discutera. Après, tout le monde lui a donné raison de m'avoir donné cette chance. Et après, depuis... Justement, dans ce milieu relayeur offensif un peu moderne, c'était le joueur moderne. Bakano, je me disais qu'il m'a tassé, il m'a dit « Hakik en Koloa, on ne te jette pas des fleurs. » Bakana... C'est que, qu'il y avait des joueurs de ta qualité qui manquaient vraiment au football moderne. Après... Il y a eu juste après le Mui, il y a eu les départs de le Mui après le match Nites. Constantino, 0-0. Contre l'Egypte au match aller. 0-0, on a fait. Ouais. Je n'ai pas joué le match aller, j'étais remplaçant. Belk, l'erreur de le Mui, c'est une erreur tactique. Voilà. Il n'a pas... il y a que moi et Maïch qu'on n'a pas joué le match aller. On était milieu défensif tous les deux. Voilà. Donc il a joué un peu une tactique à l'offensif. Il a joué avec. Il n'y avait pas de milieu de terrain, c'est pour ça qu'on était bouffé. Par l'équipe de l'Égypte. Donc, quand je suis arrivé à l'Arabie, il a fait les buts, il nous a sauvés. Au match aller. Au match aller, je parle. Match aller. Au match aller, même avec le retour. Exactement. Après le retour, il y avait Kermal qui dit à Allah, on a fait une préparation en Italie, je me rappelle. On a perdu contre l'équipe nationale d'Italie 1-0. Exactement, sur un but hors jeu, il faut le préciser. Exactement, c'est rien. Bravo. Tu as un caracard. Moi, tu as un échoui. Après, on est rentré dans le temple du Caire en 89, un match très très important. On a perdu 1-0. On a même failli égaliser, mais... Il y avait même pénalty pour Farhaoui. Farhaoui, exactement. C'est pour ça qu'on a failli même... On a raté des trucs, mais bof. Moussa, le Caire. Oula. L'histoire t'a... Qu'est-ce que fait le Caire, Moussa? Vous avez les... Parce que vous avez les cheveux rires à la 2010. Mais... On avait un calvaire, on avait un calvaire. Vous avez vécu l'enfer. Exactement. Les Égyptiens, ils ont mis tout le paquet pour se qualifier. Tous les moyens. Donc, on a dit qu'en 2010, c'est ça 2010, c'était ce qu'on a vécu, c'était plus que ça. Donc, même si on a gagné, on a gagné après l'année. Ça a fini le battle, donc, mais bof, c'est du passé, donc, des fêtes. Non, ce n'est pas pour humilier, mais c'est juste pour rappeler aux jeunes. Même nous, on est passé par là, voilà. En 89, même au moment en 2010, donc ce n'est pas nouveau. Donc, c'était... Moussa qui fâche quand Il te convoque l'équipe nationale, son club, à la Valka, son club. Parce son que club. Le Mouloudia te voulait, c'est Abdelkader Darif qui était dans votre région, quand habité. La JSK a réussi à vous faire signer un contrat. Et bien sûr, votre club de cœur et de premier amour, la GSM Tierra Tannik, signe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la GSM Tierra, qui m'a dit que je t'ai aimé. Et pour quitter la GSM Tierra, je l'ai quitté à la sauvette. Je me rappelle, il y avait un président Kantema. Il m'a dit, je te donne tout ce que tu veux, reste là. Reste avec nous. Wanaya, je voulais... J'avais tout à Tierra. Je dis maintenant, pour... Tout et une famille avec 9 enfants, je crois. 9 frères et sœurs. On était 9, oui. Frères et sœurs, la maman, le papa et la grand-mère. Donc on était tout ça. C'est moi qui travaillais, le seul qui travaillait. Justement. Donc après, c'est vrai, j'ai tout, vous m'avez tout donné, mais j'ai envie de faire une carrière. Et pour faire une carrière, il faut avoir un grand club, il faut avoir des titres.
parce que le GSMT arrive, il y en a d'accéder, donc pour gagner des titres avec le GSMT, mais ce n'est pas pour demain. Donc après, c'est pour ça que j'avais la chance, j'avais l'honneur d'avoir deux grands clubs, le club Moulidia d'Alger qui est un club mythique, le GS Kabylie pareil. Donc après, c'est un choix qu'il faut faire, c'est dur à faire. Après, comme moi, je suis originaire des Latouassif, donc j'adore travailler avec le Donc après, la balance, elle a pris vers le cœur. Donc comme ça, j'ai choisi la GSK. Je me rappelle, il y avait le président actuel, M. Hennaché, qui était derrière mon arrivée à la GSK. J'ai signé une licence avec la GSK. Après, j'ai fait une double licence comme senior de jeunesse. J'avais une pression terrible sur moi, donc qu'est-ce que j'ai fait, je ne savais pas les conséquences. Après, la sentence elle est tombée, donc suspension une année, mais après tu es qualifié avec le club où tu as joué, tu as signé la première licence. C'est-à-dire à la GSK. Voilà, mais j'ai joué, après les compétitions internationales, hein. Quand même, quand la GSK a qualifié la Coupe arabe. C'était un peu Coupe arabe, Coupe d'Afrique, c'était un peu pour compenser un petit peu. Et les stages d'équipe nationale, j'étais tout le temps convoqué et j'ai joué. Il faut poser la question à Karmal, donc il m'a fait confiance. J'étais sérieux dans le travail, je travaillais, j'étais bien dans un club sérieux aussi. Hein. La GSK, ça rigole pas. C'est vrai. On travaillait, donc moi, un petit gamin qui vient. Donc j'étais obligé de suivre, donc de compenser la compétition par les entraînements. C'est vrai, ça m'a fait un peu bizarre. Tu vas les regarder, mais avec tout ça, les gens qui oublient, j'ai joué la Coupe d'Afrique 90 en mars, sans avoir aucun match de championnat dans les jambes. Et j'étais moi ou la Sadrar, Allahu A'lam, avoir joué tous les matchs de la compétition, les 5 matchs de la compétition, je parle de 90 minutes, hein, parce qu'il y avait chez Fulbo Zané, je crois, à la finale, il est sorti à 6 minutes de la fin, il est au Khaled. Moussa, donc, juste après, du coup, ta dernière, là, les matchs, il a été en guerre pour la Coupe d'Afrique 90. Qui fait un joueur, il m'a 6 mois. C'est dur, hein? Oui, mais comment on explique ça, Moussa? La confiance à Karmal, franchement. C'est vrai, je lui tire chapeau. Donc, il y avait un entraîneur qui te fait confiance. Et en plus de ça, même Ouali Bello, à qui il a affaire aussi. Hein. Donc, il m'a fait confiance. Nathan, il m'a khayib touche. Donc, alhamdoulilah. Donc, je travaillais sérieusement avec mon club, la GSK. Et même en équipe nationale, aussi, quand on part en stage, en plus à l'époque, on n'avait pas de date FIFA, on a tous des locaux. On faisait des stages répétitifs, quoi, comme on préparait la Coupe d'Afrique. Donc c'est comme ça, je ne perds pas beaucoup de choses. Moussa, franchement, retrouver des sommités du football algérien. Un Lakhdar Belloumi n'est pas champion d'Afrique, par exemple. Exact, ouais. Un Lakhdar Belloumi, c'est le ballon d'or, l'unique ballon d'or qu'on a dans son ancienne version. Qui a son CV, malheureusement, elle est vierge. Elle est vierge, malheureusement. Sur plein terrain. Beaucoup de joueurs, il est vierge. Ouais. Qui fascine tout le monde, est-ce que c'était une pression supplémentaire de se retrouver, par exemple, au début, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas exactement où je suis. C'est un choix de l'entraîneur. Donc, il y avait deux grands messieurs du football. Donc, il y avait lui, lui et Majer. Majer qui était notre capitaine à l'époque, donc après, pour être sincère avec toi, l'entraîneur il a fait un choix entre les deux, quoi. Donc ils n'arrivent pas à cohabiter tous les deux, donc il a fait un choix. Donc, il a opté pour Majer. Pour Majer, voilà. Et cher Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Majer a mené cette jeune génération. Et cher Karmali, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé dans son choix, étant donné que Majer a mené cette jeune génération vers un sacre. On n'en parle pas. Mais des fois, tu sais, dans. Moussa, est-ce que tu as le champion d'Afrique, Sarah? Oui. Parce que les. Parce qu'il y a de l'eau, c'est bien, Moussa. Mais moi, sincèrement, je n'ai pas besoin qu'il parle de ça, parce que l'histoire, elle reste. L'histoire,
le titre qu'on a gagné en 90, l'étoile qui est sur le maillot algérien, c'est nous qui l'ont ramené. Ouais. Ma génération, en ailleurs, les 22 plus le staff technique et tout. Donc, celui qui veut connaître, qui cherche l'histoire, il va trouver. Celui qui ne veut pas chercher, ben... Mais c'est pas si loin, Moussa. 90, c'est pas si loin, mais malheureusement, dans le bled, on a la notion de l'oubli. Soit on fait exprès d'oublier, soit ma bêche qui fait chanderer, on n'a pas ramené cette étoile pour l'Algérie. On dirait que c'est l'Algérie, nous, on a représenté l'Algérie à l'époque, qu'est-ce que je sache. Ouais. On a joué pour l'Algérie. L'étoile, c'est pour l'Algérie qu'on a ramené. Donc maintenant, il y a des égos. Il faut que ça parle de moi, de la génération d'hier. Dans le football, on parle que des titres. On ne parle pas de participer. C'est les titres que tu as gagnés. Les titres, quand tu parles de quoi? Il y a la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe afro-asiatique. Tu as savoir bizarre. Justement. Les ballons, tu joues le champion d'Afrique, le champion d'Asie. Tu es champion de deux continents. Non, tu es champion de l'Algérie, les champions afro-asiatiques, en 91. Oui, on a joué contre l'Iran, voilà. Donc, c'est quelque chose. Donc, on va rafraîchir un petit peu les mémoires, Balak. Moussa, justement, que personne n'oublie cette épopée des Verts de 90. Est-ce que l'échec, tu as Massa, ou est déjà de la Coupe d'Afrique, avec l'échec, tu as la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la frustration d'avoir raté un mondial qui était tout proche pour vous. C'était ça le. Non, il n'y a pas que ça. Il y a Mekhfel Kom, je l'ai en 90, c'était les débuts de la décennie noire aussi. Hein. Les événements étaient à 88, et on reçoit la Coupe d'Afrique chez nous, donc pour faire oublier un petit peu les problèmes aux gens, de donner un peu de la joie au peuple algérien, c'est la seule et unique chose, c'est de gagner ce titre. Ce qui a été fait, hein, c'est. Pendant la période de la Coupe d'Afrique avec, tout le monde parlait que de ça, tout le monde était content, tout le monde a oublié ses problèmes. C'est ça la richesse d'Yanahna, c'est que si on arrive à faire oublier des soucis à les citoyens algériens pendant une période, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous répondez le Nas, ou je trouve le Nas, les collègues Coupe d'Afrique de Bacha. Non, mais au contraire, Bacha, ça fait partie de nous. Nous, sans nos supporters, on n'est rien. Au contraire, c'est une fierté. Ben oui, alors. Chacun l'a donné son. Le public, il était derrière son équipe. L'équipe sur le terrain l'a donné ce que le public lui demande. Et ainsi de suite. On était tous ensemble. Donc, Hadja, au contraire, moi j'aimerais bien ça. D'avoir un public derrière moi qui me pousse, qui me galvanise à gagner ce titre. Ce qu'on a fait, même en 91, c'était la même chose. Même le public était derrière nous. Je ne vais pas nier, au contraire, sans notre public, on n'était rien. Tu voulais parler 91 du sac de la GSK? Non, même de l'équipe nationale, de l'afro-asiatique, parce qu'on est resté toujours dans l'équipe nationale. Même au niveau de la GSK, kiff. Au niveau de la GSK. Tu joues avec un public énorme, qui te drôle un terrain vide, ou là, qui te drôle un public qui t'encourage, ce n'est pas le même rendement d'Yalak. Oh là là là. Moussa, pour rester fracal, on avait parlé du Kabelouni. Est-ce qu'il vous a mis au courant, ce Kermal et Mahmou? Est-ce qu'il voilà, y a deux patrons, je dois choisir, entre Belloumi ou Madia? Ou bien vous l'avez ressenti? Ça, je crois, c'est une discussion franche entre lui et Madia. Parce que je me rappelle, on était en stage en Suède, je crois, il y avait une tournée. Je crois que c'est là qu'ils ont discuté, qu'ils ont décidé de choisir un choix. Je crois à Rabbi Alam. Madia, comme il est là, il est présent, il est toujours là. Peut-être qu'il peut en témoigner, donc... Moi, ma connaissance, c'était ça, c'était un choix. Dans tous les clubs du monde. Oui, dans tous les clubs du monde. Même en France, ils ont fait Aimé Jacquet, une fois il a fait en 98, il avait un choix. Il y avait Cantona qui pouvait jouer. Et David Ginola. David Ginola, il pouvait jouer. Donc après, il a fait un choix d'un groupe. Ils ont gagné ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils voulaient préserver son groupe, quoi. Donc quand tu trouves deux feux. De grandes personnalités. Qui se tirent, donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'équipe. Donc lui, il a préféré d'avoir deux grandes personnalités qui s'entendent pour tirer cette équipe en haut. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut dire ce qu'il y en est. Donc ce n'était pas le cas à l'époque, hein, je parle. Hein. Après, il a fait un choix. Il a pesé le pour et le contre. Il a fait un choix.
Le choix était payant, comme on vous dites. On va s'arrêter sur le match le plus attendu du public algérien. Algérie-Égypte, oui. En plus, l'équipe d'Égypte, ils ont pas ramené leur équipe type, apparemment. Non, par rapport à ce qui s'est passé en 89. Est-ce que tu ne penses pas le fait, Moussa, les bateaux équipés, stafou chez Abdelkhalta Tahoum, Billy, Bero fait comme le bâton, fait. Ben, indirectement, c'est ça. Parce qu'au moins, quand ils allaient jouer à la Coupe du Monde, 90 en Italie, et s'ils ont envoyé l'équipe B, l'équipe B, entre parenthèses, c'est des. Voilà, c'est des joueurs confirmés et tout. Avec le grand battle comme gardien. Comme gardien, donc ils avaient peur. Un bête l'homme de l'Ihnaïa, il dit bon, que ce soit les joueurs. Non, nous, on les a battus sur le terrain. Même nous, notre équipe, Machadek, c'était l'équipe, c'est les remplaçants qui ont joué. Donc ça n'a pas changé. Il a fait reposer les joueurs qui ont joué le premier match, le deuxième match, comme on était qualifiés. Donc il a fait reposer l'ossature, si on veut. Et les remplaçants qui n'ont pas beaucoup joué, donc il a donné la chance. On a gagné 2-0, quoi. Et j'ai joué le match, j'ai marqué un but. Un but, une passe décisive. Et Jamel, il a marqué aussi. Amani, il a marqué un but aussi. Sur une passe de Moussa. Je ne me rappelle même pas. Ça, c'est en finale que j'ai donné la passe décisive. La passe décisive, c'était pour Chef. Voilà, ça, c'était en finale. Parlez-nous de cette finale. Moi, je ne te cache pas, déjà le match de la demi-finale, je n'ai même pas dormi. On avait peur. Maintenant, on sort des poules. Tu veux jouer une demi-finale contre le Sénégal. Le Sénégal avec l'armada de Star Tehom. Le Sénégal de Jules Bokondé. Bokondé, exactement. Avec Claude Leroy qui était entraîneur. Exactement. Et tu joues chez toi, tu as peur de mal faire. On avait la chance de marquer le premier but. Après, ils ont égalisé. Les deux, ils commencent à s'installer. Imagine-toi, tu passes à côté en demi-finale. C'est pas évident. Comme tu l'avais dit, vous étiez dans l'obligation de gagner ce titre. On avait l'intérêt du pays pour sauver un peu. Voilà, sauver ce qu'il y a à sauver. Voilà. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix que la victoire. Et oh, alhamdoulilah, donc on est sorti vainqueur. Après la finale, c'était plus facile que la demi-finale. Dans le côté préparation, quoi. Donc, parce que la demi-finale, c'était un peu tendu. Moi, de mon côté, hein. Après les autres joueurs, c'était la même chose. Hein. Mm-hmm. Mais la finale, non. La finale, on était un peu décontracté par rapport à la demi-finale. Quoi. Donc le sacré est là. Hop, Moussa Saïd, Beten Selon, passe, Makash suspension. Ah ben c'est logique. pour service rendu. Expliquez-nous tout ça. Ben moi, c'est une promesse qu'on m'a faite avant la compétition. Si on gagne le sacre, donc on sera gracié, quoi. Nous, on était champion d'Afrique et les suspendus sont. Tout le monde a été gracié et après j'ai repris avec mon club. Moussa, même son club, il y avait des clubs européens, ou plutôt des managers, des dirigeants chefs de match de la Coupe d'Afrique, qui ont été donc. C'est l'information qu'on avait. Ouais. Après, je l'avais pas, malheureusement. Moussa, chaque fois, la Hormta, qui met Jiaska, juste quelques temps après, sacré champion d'Algérie. 90, ouais. Voilà. Et juste après, la Coupe d'Afrique te sourit, la Ligue des Champions. Exactement. L'année 90, c'était bénéfique. Hein. 90, J'ai tout gagné fait 90. Oui, avec, avec la GSK, ouais. La Coupe d'Afrique des clubs champions, avec l'équipe nationale, la Coupe d'Afrique des Nations. Juste après, la troisième. Avec la GSK, on a gagné le championnat avec la AM 90. On a échappé, c'est-à-dire on a raté le triplé ou le doublé. Ouais, le triplé exactement, avec la Coupe d'Algérie qu'on a perdu contre Bel Abbès. Parce que vous avez, juste après avoir perdu la Coupe face à Bel Abbès, vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs. Ouais, c'était tous en 90. Canal Davis, ouais. Moussa, tu étais blessé. Vous l'avez fatigué pour le match de Coupe d'Afrique. Oui, fais-moi rappeler. Le match à la finale, je pense. Allez, le 5 juillet. Oui, vas-y. Tu avais joué ce match. J'ai joué le match. Tu parles de Canal Davis, c'est ça? Canal Davis, oui. La finale. À Chantecotoco. C'était à Chantecotoco, un renversement de match. Ah ouais, c'était époustouflant. Qui va se moussatre qu'il a les deux matchs? Donc il a tombé pratiquement blessé là. Il y avait tant. Non, c'était plus le retour, je crois, que j'étais blessé. Ouais. Le retour, j'ai même pas fini le match. Voilà, justement. J'ai pris un coup, déjà jusqu'à maintenant, j'ai la bosse sur le tibia, donc c'est une poche d'eau. Quand tu joues en finale, donc tu es au bout de la gagner, donc tu oublies toute la douleur, quoi. Donc, toi, tu avais opté pour la GSK pour des titres.
J'ai pas regretté. Comme on dit, le temps m'a donné encore raison. Voilà, c'est bien. Non, alhamdoulilah, sincèrement. Ton choix de carrière, on va encore en parler. Mm. Parce que, lorsque, entre-temps, il y avait la finale face à Belhabès. Exact, oui. La fameuse finale. Exact, oui. Ali Fergani claque la porte. Ouais. Ouais, c'est pas lui qui a claqué la porte, on l'a poussé à partir. Donc, il ne faut pas oublier, l'année 97, l'équipe elle était divisée. La Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Algérie, on l'a très, très, très mal préparée. Je crois même la défaite a été préméditée. Quoi. Donc, on s'attendait, parce que quand tu ne prépares pas, quand il y a des problèmes dans l'équipe, il ne faut pas s'attendre des miracles. Même la Champions League, la finale, on a failli l'arrêter, si ce n'est pas l'intervention de quelques sages. Je me rappelle Matoub Kalmanatane, l'Ounas. Il a fait le déplacement des supporters. Donc, Moussa, vous vous êtes donné la promesse de gagner cette Coupe d'Afrique après avoir vu cette grosse déception des supporters Kabyle. Trois quarts du stade, Jiaska, là que j'ai fait la finale. Il y avait un petit virage. Ouais, tu peux dire 90% du stade, c'était Jiaska. J'en ai. Quand tu scadrais, trois jours de stade, Moussa. Là, le jour-là, c'est même après, c'est le regret, c'est après. Donc, moi, j'étais jeune, donc moi, je préparais mon match. J'ai jamais senti quoi que ce soit des joueurs ou comme quoi il y avait des problèmes. C'est vrai, il y avait des problèmes avant. Mais quand tu rentres dans le match, tu dis, attends, c'est une finale, on ne va pas penser à passer à côté. Et quand tu ne la prépares pas, psychologiquement, tu es obligé de passer à côté. Donc, Et le pénalty raté de Rahmouni aussi. Si on a marqué le pénalty, peut-être ça va changer. Donc après, bof. C'est des faits de jeu. Exactement, c'est destiné quand Maklib Tnash n'a pas eu un match. Quand il y a eu un match d'Algérie, il y a eu un camarade de Davis qui a dit comme Assad. Balak, après. Parce que vous avez eu une motivation extraordinaire. On avait une belle équipe aussi. On avait une belle équipe. Voilà, les Djanit, les Hafaf, Amara, tout ça. Les Tahar qui commençaient aussi. Exactement, les Miftah, Chico. Donc on avait une belle équipe. Donc. Il y avait l'Adjad aussi sur le côté droit. Ça va, Sadmi, donc je sais tout le monde maintenant. Voilà que j'ai oublié. Donc c'était tes meilleures années à la JSK. Juste après, tu n'as pas passé 10 ans à la JSK, mais tu as chassiné. Je crois que c'est 3 ans. 3 ans. Qui te roule l'insac derrière? Non, j'ai joué que 3 ans à la JSK. Avant de partir, hein, après je suis revenu. Oui, bien sûr, avant de partir à la JSK. Exact, exact. Moussa Smaïna Belli, après la Coupe d'Afrique 92, il y avait eu des contacts. Je sais où tu juste après, voilà, j'ai eu des contacts avec des clubs de Tunisie, c'est ça? Exactement. C'est vrai, j'ai joué... a voulu que notre Tunisie monte des Coupes d'Algérie avec ma JSK. Ça fait. C'est un mouktoub, hein. On peut voir qu'on a parlé qu'il fasse l'histoire, c'est vrai. Là, j'ai gagné tout avec la JSK, coupe, championnat, d'ailleurs. J'ai gagné un contact en Tunisie, l'Espérance de Tunis. Kassim Chibouf, qui était président. Après, j'étais en Tunisie, j'ai discuté avec eux. Après, il y avait le club africain, il y avait les deux clubs rivaux. Après, j'ai discuté. Moi, je voulais partir coûte que coûte. Voilà. Après, donc, on m'a dit, réfléchis bien. Si tu vas en Tunisie, il vaut mieux rester avec nous. Si c'est l'Europe, il n'y a pas de souci. Pour rester ici, non. Après, j'ai trouvé que c'était... Une décision prise avec Mouachérif Hennache, je pense. Exactement. Mouachérif, Khalik, enfin, il t'a bien conseillé, on va dire. J'ai pas dit le contraire. Il m'a très, très bien conseillé. Ah. Allez, voilà, il vaut mieux rester là que d'aller en Tunisie, c'est le même championnat que nous. Donc, j'ai suivi son conseil. À l'époque, ouais, c'est vrai, il y avait de bons rapports entre nous. Donc, il était responsable dans le club. Mm-hmm. Et ben, le temps m'a donné... J'ai gagné la Coupe d'Algérie. Et du coup, après le hasard, il vient. Malik Mouktoub. Oh là. C'était une histoire un peu bizarre. Au début, on voulait la jouer. Voilà, au début, c'était prévu le 5 juillet. Après, pour des obligations présidentielles, donc des obligations protocolaires. Donc, la présidence a décidé de délocaliser le match à Oran. Comme le président était là-bas, on a joué à Oran. Oran, c'est à côté de Schleff, donc nous, il y avait un peu la panique et tout. Mais alhamdoulilah, on a accepté de jouer à Oran et on a gagné le match. Il y avait un but de Hamaouch. Quelle victoire
Ouais, c'était un beau cadeau pour les supporters, donc ils ne se sont pas déplacés pour rien. Donc, souvenir de Si Mohamed. Mohamed Bouddhaf, c'était. Rabbi Rahmou. C'était un souvenir. Inoubliable, ouais, ouais, ouais. Quand on voit que tu salues un monsieur comme celui-là, vraiment. Un père de la révolution. Exact, oui. C'est un honneur de le saluer. Donc, Rabbi Rahmou. Voilà. Donc. Après, le hasard, il ne vient jamais seul. Oui. Et au début, il y avait un manager qui m'a proposé de faire des essais en Belgique. Belgique. Donc, oui. Donc, j'allais partir. Et entre-temps, il y avait des stages à l'équipe nationale. Où, dans les stages Hadouya, il y avait une tournée en France. Il y avait 3 matchs de programmés en France. Après, j'ai réfléchi entre moi et moi-même. Quand, Il y avait Le Mans, Tours, Auxerre. Voilà. Après, il y a la Belgique, je connais pas. Pourquoi je ne tente pas d'aller en stage Malik National? Il y a des matchs amicaux, on ne sait jamais. Voilà, commencé. Après, on a joué le premier match contre Auxerre. J'ai joué une mi-temps, j'ai tapé dans l'œil de l'entraîneur et l'aventure professionnelle, elle a commencé, quoi. كذام سبري ذورنا ميسان ثم بويد سيحني عم مسلو غاث انتو وكان عورا صري